Ça va et toi? Bien. Vas-y, pose tes affaires. T'as fait bon voyage? Ouais, j'en ai. Ça va, pas trop loin. T'as vu, mais tu as acheté une nouvelle caméra. Ah bon? Ouais, on va l'utiliser ce soir. Du coup, c'est quoi ce soir? On fait quoi? Bah écoute, ce soir, j'ai un pote qui a une maison abandonnée pas trop loin de chez lui. Je pense qu'on va aller invoquer les esprits, se faire une petite frayeur, quoi, parce que c'est sérieux. Cool. Ouais. Et en plus, je vais tout filmer. Ah non. Ah si. Comme ça on aurait une preuve. Des trucs et tout, ça va pas bien. Mais non, mais c'est bon, on va trop s'éclater. Ça va être trop fun. Ouais, bah ouais, tu parles, ouais. Blondine, elle a peur des esprits. Mais non, pas du tout. Tu enfin, crois? Non, je sais pas. J'ai vu des trucs, disons, donc forcément, je me pose un peu des questions, des fois. C'est vrai, Gideon ? Ouais, ok. Ah, tu filmes là ? Bah oui, je filme. Ok, moi j'étais prêt à taper la pause, tu vois. Ah, putain, mes yeux, Allez. Comme dans chaque film d'horreur, on va dire la même phrase culte. Ce n'est plus très loin. Vas-y, on fait genre, on est dans un film. Bon, Marius, c'est quand qu'on arrive là ? C'est quoi, plus très loin. C'est quoi ça ? Pas vraiment. Ouais, c'est ça, c'est toujours ce qu'on dit. On a honte d'être trop sur le trou. Allez, ça clash sévère. Du coup, vous vous êtes connus en enfance, c'est ça? En enfance, c'est vrai. Alors, c'est un beau petit patelin, vous vous appelez en enfance. D'accord. Soigne. Elle est arrivée, C'était dans mon école. Intéressant. Vous avez gardé grand contact. Même si on ne parle pas souvent, tu vois, on se dira. Bah, c'est bien. Moi, si seulement je devais faire ça aussi un petit peu plus souvent, ce serait cool. Bah, tu l'as fait avec Clémentine, quoi. Moi, j'ai ma blondine, c'est pas Clémentine. Clémentine, sans nos parents, on n'aurait jamais su qu'on se connaissait quand on était petits, alors. C'est vrai. Eux, ils ont su qu'ils se connaissaient quand ils étaient petits, après, j'ai un parent qui s'est rencontré. Les spotters liés à Notre-Dame. Ah non, c'est pas Notre-Dame, je peux te le dire. Oui, mais. C'est quoi par là, Pierre, Maïs? Non, il y a un lit d'enfant, putain. T'as vu, il y a. Ça fait flipper, il y a des jouets d'enfants aussi. Ça fait flipper ça. Ouais. Le lit, il tournage en fait. Vas-y, moi je m'éloigne du trou, par là-bas là, le trou je le sens pas. Non, mais tu vas aller voir le. Bah, avec toi, moi je veux bien. Vas-y, après on filme et on fait genre on découvre la maison, non? Bah, on le fait. Ouais, est-ce que je suis en train de faire un peu là? Attends. Mais genre, le mariage de Marie, il est mieux, non? Ouais, je pense qu'il est mieux parce que moi on va que derrière, mais. Je pense pas, yeah, 51! Le 2 août 51. Sérieusement? Le truc là c'est approuvé. Ça veut dire qu'elle a 60 ans la maison là? La maison a au moins 60 ans. Et puis le style c'est quoi? Bah oui, ça je peux te le dire. Mais il y en a d'autres qui sont passés par là je pense. Mais ça fait très longtemps en tout cas qu'elle est abandonnée. C'est chaud. Si tu regardes rien que les putains de machins qu'ils ont.
hyper vieux et tout. Ouais, ça devait être une exploitation agricole et l'autre maison devait être le... Ça me rassure pas du tout. Ah, j'espère pas qu'il y aura des potes qui vont arriver. Bah non, t'inquiète pas. Je pense qu'ils seraient déjà descendus aussi, je pense. Ah non, mais ils sont pas là. Regarde, quand t'es clair, je vois ça. Ah ouais. Ouais, bah regarde moi ce que je vois. Ouais, j'ai plus de luminosité que toi. Ouais. Genre là-bas, on a vu, on a la petite pierre et il y a le jour. Par contre, Blandine, je vais juste passer devant. Parce que si je veux qu'on puisse filmer. Vas-y. Ah putain. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. On est là, sinon on se fait tuer entre temps, t'inquiète. On est là, t'inquiète pas, on est là. Ah, j'en sais. Ah, ouais, bah, c'est ça que tu me disais tout à l'heure, j'avais vu mon casque. Déjà, le puits il est en dessous là. Ah, c'est un puits? Ah, oui, ça. Non, mais il y a un puits dans la maison? Ouais. Mais vous avez jamais vu film d'horreur avec, avec un puits? Non, mais sérieusement, il y a un vrai film d'horreur avec un puits dans une maison comme ça, pareil. Ouais, mais au début, on croyait que c'était un sous-sol. Non, arrête, moi je veux. C'est mort, c'est mort. Marius, arrête s'il te plaît. Non, sérieusement. Arrête! Putain, ça je le sens pas du tout. Le truc avec les puits là. Là la maison. Elle fait légèrement flipper quoi. C'est pire que ça. Bah, déjà le puits dans la baraque c'est pas très quand même. Ouais. Ça me fait hyper peur. Hein. Sérieusement, je suis pas superstitieuse, mais alors le puits dans la maison ça veut tout dire. Regardez, il y a des c'est-à-dire arbres dans la maison quoi. Mais à mon avis, ouais, non, je sais pas ce que c'était, mais. Tu vas me faire passer la pire nuit de ma vie, je pense. Mais Marius, ouais. On peut se faire un repas au moins ici. Le plus ouais, je pense. Non, je suis pas chaud pour le repas. Ça a raison. Pourquoi? Si on va. Cette maison m'inspire absolument pas confiance, sérieusement. Moi non plus. Un puits, une baraque brûlée à côté. Non. Ouais, c'est. On fait juste en plein jour, il aurait pas eu de problème, mais là. Ouais, c'est clair. En plein jour, ouais. Bah, tant pis, hein. On reviendra une plein jour, alors. Non, mais... On vient demain, hein. Il va rien se passer, en vrai. Moi, j'ai pas confiance, hein. Bah, moi, je... Je te balance pas, j'ai déjà vu plusieurs fois, donc j'ai... Ouais, mais moi, je connais pas. Est-ce qu'il joue avec le téléphone? Non, mais même ce bruit-là. Ce bruit-là. Imaginez, on est en pleine nuit. Arrête. Non, tu dis rien. Non, sérieusement. Dis rien. Laisse-moi kiffer. Non, moi, je te laisse pas kiffer du tout. On est en pleine nuit, tout le monde dort, et puis là... Arrête! Oh là là, j'ai pas. Je me protège. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es clair là-bas comme si. Oui, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait sortir du cul. Je veux tous ensemble. Vas-y, je me protège avec Blandine. Si on meurt, on mourra tous ensemble. Voilà. Vas-y, non, sérieusement, moi je suis d'avis de me barrer en fait. Déjà? Bah ouais. Non, mais sérieusement, il le rapport on passe pas ici. Est-ce que je peux juste aller voir ce qu'il y a à l'étage? On t'attend dehors, hein, Marius. Non, en vrai c'est chaud, Marius, parce que là, il fait nuit, et puis si tu tombes... Est-ce que tu veux escalader par... Ouais, d'accord. Bah, moi, je suis désolée, Marius, hein, mais là, non. Là, il y aurait pas eu ça, donc j'aurais resté. Mais je peux pas. Franchement, je peux pas. Tu sais qu'en plus, le film d'horreur qui fait référence à ça, je l'ai pas vu. Mais pour le peu que j'ai vu... Ça m'a foutu tellement les jetons que ça m'a pas fait. Ah oui, c'est... Non, oui, ta gueule. J'ai vu aussi les fraîches et les deux barriques. C'est quoi, parce que je sais pas ce que c'est. Non, on peut sortir, c'est tout de l'air, moi je sors. Il est trop bien. Je l'ai pas vu, mais... Je l'ai pas vu, mais les extraits que j'en ai... Tu veux sortir? Je sors, ouais, je sors, c'est bon. Bah, ça sert à rien, on va rentrer alors. Dans ce cas-là, on vaut mieux, mais... Tu m'aurais dit que c'était une... Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, moi je continue à surveiller. On va jouer. Donc, si j'ai envie de tester un court-métrage sentimental. Youpi! Donc, du coup, jour numéro 2 de notre expédition. Ouais, alors, on va bientôt repartir. Hein petit festin. Ah, ouais. Parce que c'était quand même, faut l'avouer, un échec hier. Hein. Vous voyez tous la même temps, arrête, elle est hyper flippante la maison. Je trouve pas. Moi, j'ai toujours rester. Hein. Ce soir, on fait un effort. On fait un effort et puis on y va. Un effort et on y retourne. C'est ça. Et là, grosse soirée, quoi. C'est ça. On fait la teuf dans le puits et tout. Non, mais je te dis, la baignoire d'or, elle est mortelle. Eh. Juste Guyane. On y retourne et on descend dans le puits. Oh, vous êtes malade. Non, mais les gars, vous êtes malade. Tu trouves quelque chose dedans? Non, pourquoi pas? Tiens, vas-y, on fait tourner la caméra, faut que je mange. Et on fait tourner la caméra. Marie, décris-nous ton ressenti. Bah, j'ai quitté ma mère. Grave. Sérieux? Grave. Franchement, elle est idéale, hein, la maison, pour faire ce que vous voulez dedans. Mais elle fait trop flipper. Hein. Regarde.
Si on récapitule, il y a une baignoire dehors. Il y a un puits dans la maison. Il y a une grange qui a brûlé. Il y a un landau d'enfant. Il y a des scies, des faucilles. Non mais, c'est un truc de bâtard. Il y a un sac plastique à l'extérieur qu'on n'a pas vu ce qu'il y a des vêtements. Ouais, il y a un sac plastique. Eh ben, on y retournera alors. Ouais. Pour vérifier. Et il y a un gant petit. Il y a un gant sur la baignoire comme ça. C'était un gant ? Oui, bah. Non, je m'en souviens pas. Une trace de main ou de gant. Non mais c'est sûr. Elle me sent pas que c'était une grange comme on les maisons. Quoi ? Non. Dans la même propriété. C'est pas possible. C'est largement possible. Elle date des années 50. Mais vous êtes sûr qu'elle a brûlé à cette époque-là, il y avait déjà des doubles. Bah, le toit, tout est pensé, ouais, je pense que ça a brûlé. Le bois est tellement noirci que. Ouais. Et alors là, ça remonte. Hein. Pourquoi il y a un incendie ? Pourquoi la maison a été foutue dehors ? Et surtout, comment elle a été sortie ? Et c'est quoi les trucs qui dégoulinent de la maison là ? Espèce de lambeau. Ouais, ouais. Il faut aussi se demander aussi pourquoi. Où sont leurs chiottes ? Parce que personnellement. Il y a pas de chiottes dans la maison. Je sais, c'était l'ancienne maison de The Human Centipede. Centipede, centipède. Pas centipède, mais centipède. C'est beau, désolé, hein, Marius, mais c'est vrai que la maison elle est vraiment malsaine. Bah, je trouve qu'il n'y a pas de malsain. Hein. Oh, tu rigoles ? Ah, oh, mince. T'as rien oublié ? J'ai oublié ma corde dans le puits. Connard. Guilhem, tu suis ? Ouais, bah, grouille. Non, mais sérieusement. On l'a déjà perdu, ça. Grouille. Jour 1, on a perdu. Mais réellement. Jour 0,4, on a perdu Gillian. D'ailleurs, tous les jours, on l'a perdu, Gillian. Par contre, attention, c'est quand même une hachette. Hein. Fais gaffe, Kevin. On n'est pas dans un film. Ok, ça est flippé, putain. Bah on a le droit d'avoir peur, elle est vachement flippante la maison. Elle est pas trop. Mais où dans ta maison t'as la baignoire qui est à l'extérieur et pas de toilette toi. T'as un puits dans ta maison. Ah ouais. Il y avait de la marche, tu vois au moins. Oh putain, il a tout compris la vie, vous voyez. J'ai eu hyper peur. Mais une hypothèse et lui il dit. Quoi? Un cheval qui a peur. Les animaux sont plus loin que nous. Le danger. Mais Kevin, arrête de me faire flipper là. Ouais, Kevin. Il a pas tort. Niveau ta fiole, niveau. Il a pas tort. C'est vrai qu'ils ont un instinct, les animaux. Ils ont un instinct de survie. Donc si un animal a peur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a fait peur. Ou quelque chose. Je rigole. Quelqu'un ou quelque chose. Bon, allez, on avance. Bon, allez, vous nique ta mère. Voilà, j'ai fait attention. On pourrait se faire bouffer par un cheval. T'es trop con. Quoi? Pourquoi? Quoi? Non, mais je la laisse tourner, il coupera aux empêches. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas bon. Je suis d'accord. Marius ? Les chiens aussi, ils gueulent. Oh putain, ils ont ressenti quelque chose. Peut-être qu'ils ont senti de trop d'air. Ouais, non, en fait, je pense que c'est nous qui leur foutent pas, en fait. Ouais, bah, en fait, c'est nous. Je pense et Marie, ça va, tu t'en es remis d'hier ou pas ? Si tu veux, on fait demi-tour. Hein. Non, c'est bon, je vais bah tenir. Alors. La gueule de qui ? Le mec il dit rien putain. Moi je commence à flipper les gars. Bah mais il a pas tort, c'est des signes importants. Non mais c'est bon. Mais c'est parce qu'on est en train de parler fort aussi, tu vois. C'est ça. Et puis en plus avec la lumière Marie bah. Ça faisait de loin quand même, les chiens ils voient pas ma lumière d'ici les chevals. Ouais mais les chiens ils t'entendent pas. Vous avez vu le. Ah oh, putain. Oh. Ah les yeux. Et moi il m'a fait flipper en vrai. Oh là là. C'est gros chien. Tu sais que tu m'as semblé avoir fouillé quoi. En vrai, quand il s'est approché vite, j'ai eu peur, moi. Bon, on fait demi-tour, hein, ou on se le fait, là. Je suis sûr, il veut à manger. T'as un problème. Tu cherches la merde. Non, mais c'est lui qui a nié, en plus. Marius ? Il court. Putain.
Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a surgi et qui a tué Gillian. T'es sérieux? Ouais. Mais il est où? Il est là-bas. Putain, mais moi j'ai un peu de chance. Putain, putain de sa mère. Vas-y, on se barre. Vas-y, on se barre. Ouais. Putain, on peut pas laisser. C'est la hache qu'on a apportée. Non, mais je m'en fous. Non, mais putain, y'a la police qui arrive. On fait quoi? On va direct en taule, nous. Qu'est-ce qu'on On a récupéré la. Mais le mec, il sera toujours là. Putain, y'a des bruits comme ça. Là, je vous dis, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Hein. On est quatre. Dans tous les cas, il pourra rien faire, le mec. En vrai, je tombe. Grave. Attends-moi. Va pas trop vite. En plus, la caméra elle fait des flous à cause des branches qui passent dehors. Mais je vais filmer ça. Vas-y Kevin, reste à côté de moi. C'est pas possible, il peut pas être mort. Il peut pas être mort, c'est n'importe quoi. C'est le cheval. Vas-y, je peux pas voir ça. C'est pas possible. Tu racontes des conneries, c'est pas drôle. Marius, c'est vraiment pas drôle. Kevin, attends-moi. Bon, on fait quoi? Bah là, faut vraiment qu'on se barre, putain. Putain, mais... Il s'est fait tuer. Mais non, mais c'est un truc de fou, enfin... Attends. Ça veut dire que le mec, il est toujours là? Elle est où, la hache? Elle est où, la hache? C'est toi qui l'avais, la hache. Bah, je l'ai remise dedans le sac. Kevin, c'est pas toi qui as la hache? Non, je l'ai pas, la hache. Bah, cherche. Je l'ai pas prise, hein. Non, mais dis-moi que t'as la hache. Je vois pas où est-ce qu'elle peut être. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Putain. Je m'en fous. Je vais pas la chercher, Vas-y, dépêche-toi, on y va. Faut se barrer d'ici. C'est une mauvaise idée. J'ai plus beaucoup de batterie en plus. Oh putain, y'a quelqu'un. Arrête-toi. Vas-y, attends. T'as vu quoi? Putain, ouais. Putain. J'ai rallumé la caméra, ça y est. Putain, on l'a fait. Je sais pas. Franchement, j'ai trop l'air. Putain. Non, Marius, fais quelque chose. Non, viens.